Bon, je vais mettre Crafter 1 et 6, 7, les anciens en compagnie de Frosty et Spiri. Salut! Clouf! Hey, voilà. Hey, c'est Frosty! On fait du dé à coudre au niveau professionnel. Le hashtag, c'est la deuxième tentative. Le seul petit souci, c'est qu'il y a un type qui vient de se déconnecter en mode champion du monde. Ouais! Pour un peu, c'était juste un gros troll de merde. Il y avait juste un truc énorme. Sur cette map, il y a un truc. Il y a un truc qui permet de juste stopper complètement la game et faire chier tout le monde. Bon, après, tu te fais ban évidemment. Tu descends dans la maison, il y a un lit, un endroit, tu dors dedans. Même quand tu te fais propulser, tu meurs pas. D'accord. C'est débile. Alors là, on a des sauts qui misent des cellules. Ceci dit, il y en a un déjà vachement loin qui semble préparer un dé à coudre. Car là, il y a. Pour rappel, quand il y a un bloc. Complètement enfermé entre d'autres, Aspirer ça fait ce qu'on appelle un dé à coudre. Ici, voilà. Et si on tombe précisément dedans, on gagne une vie supplémentaire. Alors, je sais pas si je vais faire le fifou et tenter un dé à coudre dès le tout début de la game. Mais... Bon, moi, je me contente de sauter, puis voilà. Ouais, bah, moi, déjà, je vais mettre. Pas le dé à coudre, je fais juste pour être tranquille, jouer juste comme ça. Ouais. Ah, c'est à moi. Moi, je vais pro gaming. Alors, notre cher Frosty, est-ce qu'il va avoir du skill ou est-ce qu'il va être nul? Ça allait pas mal. Alors, ouais. est-ce que je fais le fifou et je fais le fifou ou pas le fifou? Oui, vas-y, fais le fou. Pourquoi c'est mon merde? Oh, allez. Et ben voilà. J'ai fait le fifou, donc ce sera uniquement du commentary sur cette game. Ça s'est joué à rien. Voilà. Mais bon. Donc là, c'est entre Spiritus Wolfis et moi-même. Bon. Je suis pas fort de vos chances. Décerne déjà la victoire à Frosty. Ah, pas forcément. Pas forcément. Vous êtes nuls tous les deux donc. Ah voilà, c'est lui, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui a fait dès le début. Oh là là, on a du joueur avec du skill là. C'est lui qui avait posé le bloc précédent, il préparait son ça ne rigole pas, messieurs dames, ça ne rigole pas ici. Alors là, bon, on a du jeu classique, standard, on se laisse tomber dans l'eau. Oh, un spirit. Yo, je sens assez mal, je. Plouf, ça fait du bien. Dans l'eau. Alors lui, c'est qui? Je ne connais pas, Osef. Allez, meurt. Ah, presque. Donc là, on a un autre type random. S'il pouvait décéder, ce serait sympathique. Non, je déconne. Bon, bah, il a survécu. De toute façon, moi, à ce stade de la allez. Game, personne ne peut vraiment mourir. Alors, bah, si moi, je vais me faire merde, un peu comme toi. Non, mais j'ai vraiment fait le YOLO, YOLO. J'ai pris un risque. Ah, bah non, je me suis pris. Allez, au revoir. Ok. Je me suis pris un gros plat. Oh. Mais à ce stade de la game-là, waouh. Shelby. Oui. Non mais je veux dire, t'as pas pris de risques, de toute façon il n'y avait pas de dé à coudre à faire, donc c'était inutile de prendre des risques. Oui, non mais, de toute façon, moi, voilà. Est-ce que, ouais, t'es toujours seul de lobby? Si jamais, vas-y, mets-toi sur la plateforme, tu sais, pour ton sauter. Oui. Okay. Non mais je parlais à CLB en fait. Ah, de quoi? Mets-toi, t'es là, ou pas? Sur la plateforme, tu sais, où il saute. Ouais. Et bah le truc à gauche, il se trouve qu'il est bien fait pour Joris, faudrait faire la même chose. Oui, peut-être. C'est bien fait. Ah merde, dommage. Je me suis trop décalé. Allez, voilà. Hashtag MVO. Hashtag. Voilà. Hashtag tag. Alors, donc. Hashtag dé à coudre. Allez, ça part sur Twitter. Ça part au four. Attendez, je vais chercher mon portable. Non, c'est pas la peine. Il s'en bat les couilles. Donc de voilà. Façon, allez, à chaque fois que j'essaie de lancer un hashtag, personne ne va tweeter à part Spirit Wolf. Et encore pas je toujours. Je prends pas les steaks, mec. Mais tu sais, moi j'ai pas 3 abonnés, hein. Alors peut-être quand même direct. J'en ai 30, bon. J'en ai 17, monsieur. Je sais même pas combien j'en ai, moi je m'en bats les dizaines, je crois. 17, monsieur. Allez, direction retour des accoudres cette fois-ci. Je ne fais pas le fifou en début de game, seulement vers la fin. De toute façon, j'aurais pas chaud au bout d'un moment. On se barre. Les serveurs me paraissent relativement vides pour des raisons. Hashtag des accoudres. Hashtag ta gueule. Ça part en feu. YOLO. Alors là, non, si tu meurs au premier round, c'est que tu l'as fait exprès. Ouais, c'est pas bon parce que là. Hashtag dé à coudre. Ou bien alors, tu connaissais pas les règles du jeu. Oh, une fois, il y a des types contrôlés, un mec. Et moi, j'ai pas dit le contraire pour parler contrarié, mais en gros, il y a un type qui disait c'est quoi le but du jeu du dé à coudre? Ah bah tiens, bonjour. Et bah, faut mourir, tu vois. Ils en avaient dit le but c'est d'éviter l'eau, qu'ils avaient dit. Le type est mort au troisième round. Lol. Le type, en fait, il y avait deux types qui se dépassaient avant, qui avaient posé deux blocs, donc, et le type avait fait exprès de scotcher sur un des deux blocs. Je suis souvent. Et puis là, les autres disaient, oh merde, nous a cru, on est désolé. Pas mal, voilà, un petit tweet des familles, voilà. Hashtag des coups. C'est ton tour, tu as intérêt à te faire vite parce que dans moins de quelques secondes, là, tu vas être propulsé dans le. Ah putain de merde. Ça s'est joué à absolument rien, t'as failli crever à un bloc près, mec.
Mais si tu veux, mec, j'étais en train d'écrire le tweet, hein. Oui, bah, écoute, c'était ton tour, et pour élancer AFK, t'as propulsé au t'as propulsé ton je suis un gros tag. En plus, regarde, tu vois le bloc de diamant, là, c'est toi. Le bloc de diamant, au fond, là, c'est toi. Bah oui, c'est moi, mec, t'es que si tu crois. En fait, j'ai vu la fin, je me suis dit, je vais mourir, et ben non. Mec, gros tug, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, j'ai du diamant, en plus, je regardais même pas. Allez, c'est le talent. Non, c'est pas le talent, c'est la chance. Ouais, j'avoue, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, t'as fait aucun input, donc c'est vraiment la chance. T'as une chance sur deux de crever dans cette situation. Alors, donc, les sauts vont bon train. Il y a un type qui a préparé un dé à coudre assez sympathique ici. Je vais essayer de voir si ça... Ah, putain, ça rentre dans le mur. Ouais, donc c'est très, très risqué. C'est très, très... Ouais, je vais l'éviter, moi. C'est très, très risqué de le faire. Est-ce que je le fais? C'est Elbey. C'est Elbey. Allez. La dernière fois que je t'ai conseillé de le faire, t'es mort comme une merde. Donc et Momo évité. Momo, fais casse fou. Non. Oh, Juju. Alors, tu vois, c'est le bloc rouge au bord, là. Qui est en dessous de la plateforme. C'était vraiment monsieur risqué. Monsieur, mais... à coudre. Monsieur, cela pète pas du tout. Non, mais moi, je suis du pro. Et pas moi, ça part au fond. Non, mais je peux vous montrer que mon niveau n'est pas parfait non plus dans la game précédente. J'ai manqué de précision. Voilà. En gros, moi j'ai une technique pour faire des bons dés à coudre. Sur cette map, c'est un peu compliqué. Mais en gros, faut savoir que ton pointeur vise pile poil le bloc sur lequel tu vas tomber, sauf en chute où il baisse. Tu vois, donc du coup, tu pointes ton sur l'axe X, tu mets ton truc sur le bon truc, genre là sur l'axe horizontal. Après, pour l'axe vertical, tu changes de côté. Comme ça, là, t'es sûr en par. Pas vraiment par triangulation, c'est compliqué. Merde! Oh putain, t'as eu trop de la chatte, mec, je t'ai vu. Donc, allez, spirituel. Bref, j'ai du mal à expliquer, mais en gros, tu mets. Ah, c'est à moi! Tu mets ton axe X, tu tombes, tu te retournes, tu glisses sur le côté, et là, t'es sûr de tomber dans le bon bloc. Mais il faut vraiment avoir de bons réflexes et maîtriser la technique. Donc là, vous allez libérer deux dés à coudre. Il y a peut-être Yoki qui va en tenter un des deux. Non, pas du tout, il joue à sécurité. Mais là j'ai une vie supplémentaire, moi, ce qui fait que je vais essayer de le tenter. Je risque fortement de mourir, mais je vais le tenter. Ce qui fait que c'est alors l'un des deux a déjà été pris. J'ai envie de dire là depuis tout à l'heure, c'est le B, il fait le commentateur de foot, donc tout à fait Thierry. Alors oh Benzema qui tombe à coudre. Alors ça, un splendide lucarne de CLB qui tombe pile poil entre les deux blocs, ce qui lui donne une vie supplémentaire. Alors ça, c'est un bon point positif pour le championnat. L'OM risque de remonter rapidement. Alors, tous les dés à coups sont pris, désolé Spirit. Non. Bon, ça va. De toute façon, t'aurais pu mourir. Autant c'était deux dés à coudre assez sans trou, assez facile, mais faut vraiment. Faut un peu de pratique déjà pour faire les dés à coudre, même facile. Faut être précis. Oh putain. Faut vraiment précis. Okay, parce que... Ah ok, à moi. J'ai pris le recoin dans la bouche. Ah, enfin, dans les pieds, mais bon. YOLO. Ah, ça doit faire mal aux chevilles, ça. Alors, voilà. Spiritual. Non. Frosty qui joue à sécurité à mort. Alors, Yeka32 qui, comme d'hab, joue à sécurité. Quand on joue à sécurité, les débuts de game sont vraiment très très faciles. Surtout dans les piscines là qui sont relativement... Non, pas maintenant. Non. Oh, ma connexion. Allô. Oui. Ouais. Ouf, j'ai vu un type lagué, j'ai eu peur. Je deviens parano, mais ma connexion saute toutes les 5 minutes en ce moment. Ça me ferait chier de sauter maintenant. Et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des poulets ici. Première nouvelle. Des poulets? Bah oui, un petit poulet sur la gauche, vois-tu. Des poulets ou ça? Bon, pour l'instant, on est bien... Ouais, des poulets. Okay. Le mec, il a un skin en bouse, voilà, c'est Monsieur Bouse. Monsieur Bouse, attends-moi. Oh, j'en ai déjà rencontré les mecs comme ça, je les ai jamais compris, putain. Ah bah, okay. C'est un skin original, je crois qu'il est dispo parmi les packs gratuits de la version. Ok, je vais essayer. Et pourquoi? Oula. Oh, bim, allez, ça c'est fait, ça, c'est joli. Ouais, ça. C'est pas un dé à coudre, ça. Hein. C'est peut-être genre, ouais. Le dé à coudre, c'est vraiment quand t'es entouré de blocs et pas quand t'as un bloc adjacent. Sinon tout le monde aurait un d'à-coup au début de la partie. Vas-y, je me kick moi-même. Eh, là, faut être pile poil au milieu du bloc dans lequel tu veux tomber, c'est ultra galère. Là, je suis un peu sur le côté, ça passe, mais à peine moins, je me prenais le rebord du bloc. Ok, donc je vais recalculer mon coup pour avoir un bon truc. Genre là. Ah, y a là, il y a deux d'à-coups libérés. Ouais. Là, je m'entraîne un peu, là, moi, pour essayer de réussir mon saut, parce que là, c'est vraiment du... Oh putain. Oh, ah, j'ai pas fait exprès de faire sauter à coudre. Bref. Je vous jure. Bah, tant mieux d'un côté. Oh merde, oh, putain. Remarque. Un bloc, ça mec. Ça fait trois. Ah non, il y avait pas de à coudre permis. Là, t'en as libéré deux autres.
Je sais, j'ai vu. On va tenter. Ok, le prochain, c'est bon, je le réussis là. Attends. Allez, du faut coup, faire gaffe. Si c'est quelqu'un. Oh putain, précis. Le bâtard, il me l'a pris. Oh bah, il en reste deux, hein, mec. Tout grave. Ça sert à rien de faire un dacoute quand on a déjà un, d'ailleurs, ça te rajoute pas de nouvelle vie, hein, c'est. Bah, ouais. Je sais, mais j'en ai pas un que seul, donc arrêtez. Hein. Alors, mes chiefs a dû le sentir passer. Ah oui, en effet, il y a un poulet. Allez, allez, allez. Mais avait marqué quoi. Mais je vais mourir du coup. Je crois avoir vu Spirito, je battrai des bras. Si t'es pas sûr de toi. Oh, Delosis vient de faire un joli cratère dans le sol. Je suis un des allez, c'est le B, allez, c'est le B. On compte sur toi. Vas-y, 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 gros. Oh putain. Voilà, oh, easy. C'est beau ça. Easy. Qui a fait un bon petit saut. Le petit plongeon dans l'amour, le petit plongeon qui nous fait plaisir. Tout à fait, Thierry. Alors. Mais oui, Jean-Pierre. Oh, la petite croisée de Jackson. Jackson qui va sauter. Oh là là, oh là Jackson le cœur. Jackson qui tombe dans l'eau comme tout le monde. Joue la sécurité, cet homme joue la sécurité. Alors les joueurs gris, Matt blanc Matt et mais beaucoup le côté droit. Voyez-vous. Allez, c'est le tour de CLB. Je fais le dacoudre ou pas? C'est un petit peu Thug Life mais ça se tombe. Oh, oh le CLB, voilà. Le CLB qui est chaud. Si, je viens de faire 4, j'ai fait 4 dacoudres dans la game. GG à CLB qui a fait un magnifique dé à coudre. Eh mais c'est, en plus c'est utile de les prendre. Moi j'arrive, bonjour. Ah, pas de chance, t'y étais presque. Oh non, ah ouais. T'y étais prêt, j'allais faire yo. J'ai vu, j'ai vu au pixel, bring. Ah, dommage. Pas j'ai de envie chance. De dire, c'est vraiment la première fois que je joue au dé à coudre, donc faut pas me traiter de nul. Ouais. Si on suit, hein. Alors moi par contre, là, je suis en train de... C'est pas la première fois, mais j'assume que je suis une merde. Je suis en train de faire des records absolument dingues. J'ai fait 4 ou 5 d'un coup. Allez, 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 c'est le B. Allez, allez, allez. Je tombe. Ah, bah. je me suis laissé tomber parce que je regardais pas dans la bonne direction au moment où je tombais. Donc, j'ai pas fait le fifou. Je suis pas allé chercher les 2 d'un coup qu'il y a au fond là. Ah. On fera quand même une parenthèse pour le beau petit paysage. Comme s'ils ont bien fait le. Ok, ça se tombe. J'aime bien que la petite rose calme. Donc, j'ai pas tenté ces 2 d'un coup là. C'est un petit peu trop yolo. Donc le gagnant va être CLB 35, je parie une gemme. Alors là, sachant qu'il y a deux autres types avec un dé à coudre et qu'ils ont l'air de plutôt bien jouer pour l'instant, c'est pas gagné d'avance, ça va probablement durer. Je viens de me kicker moi-même. Pizza Mario. Bon, d'accord. Si donc je viens de me kicker moi-même, c'est génial. Oh. Bravo. Non mais... Slash. Oh là là. Putain, j'ai claqué mon dé à coudre, là je suis plus du tout en sécurité. Aïe. Dommage. Donc on va faire combien de parties environ, mec ? Alors il reste Smash 88 et Fizz de Mario qui me tiennent concurrence et qui sont dans une meilleure passe que moi. Ouais, ils ont tous les deux un dé à coudre. C'est serré, ce match est serré, mes amis, c'est serré. Alors ça, j'ai réussi. Quel match ? Le match 88. Ouais, les annales du football, je veux quand même. Ok, je le tente, je suis obligé de toute façon. YOLO. Allez, allez, YOLO. on croit en toi. Merde ! Dommage. Je me suis kick moi-même donc. Ah oh, non mais on a entendu, c'est bon. Alors. Il l'a loupé, t'inquiète. Ça fait rien. C'est la vie. Alors ça va se jouer entre Fizz de Mario et Match 88 qui ont tous les deux un dé à coudre. Je vais dire ça va être Fizz de Mario qui va gagner. Parce et qu'il a un pseudo classe. Ouais, par rapport à Match 88. Je suis déçu quand même. Je suis tassé. Eh, troisième, il y a le reste. Ouais, troisième quand même. C'est pas génial pour moi, d'habitude j'arrive toujours deuxième ou premier. Plus souvent deuxième que premier. Oh, monsieur, hein. Monsieur Modeste, je sais, mais. C'est ça. C'est que la vérité, hein. Soit je meurs parce que je suis AFK et que j'avais oublié que je faisais un dacoute, ça arrive souvent. Soit j'arrive deuxième parce qu'il y a un type qui avait pris un niveau similaire et qui a eu un peu plus de chance. Soit j'arrive premier, mais c'est relativement rare quand même parce que souvent sur la durée j'ai tendance à fail à force de prendre des risques. Bah moi j'ai joué le risque et je suis tombé. Je trouve qu'ils jouent beaucoup la sécurité les deux autres quoi, quand même. Ouais, ils ont fait leur dé à coudre maintenant, ils font sur la durée. Je vais essayer de vous montrer quand même l'issue de ce match, ce que je vais faire. Ah, un dé à coudre perdu, reprend le record. Un dé à coudre perdu pour match, alors il va essayer de tenter un autre dé à coudre je suppose. Même pas, il joue toujours la sécurité, quitte à avoir une vie de moins que son adversaire. Oh, ouais. Le pauvre Frigiel. Ah bon? Pourquoi? Ouais, bah si tu veux, pour son anniversaire, il pleut des torrents et tout. Ah. Oh, Fizz de Mario a donc gagné. Parce que GG c'est donc une splendide victoire. On en fait un troisième? Deuxième pour la vidéo, du coup. Oh putain, le pauvre. Comme vous, hein, comme vous voulez. Ok. Allons-y. Ah. Allez, je retweet direct, allez, ça part au four.
Bon, dis, tu fais de la pub pour la concurrence. Non, je déconne. Bah, c'est bon. Non, je peux pas parler de concurrence, on est largement supérieur. C'est la première ça, fois que je... Mais oui, on est beaucoup plus supérieur, il a genre 300 abonnés, on en a 1 million, allez, arrêtez là. Ça doit bien être la première fois que je fais cette map. Non, allez, ça me rappelle la joke que j'avais faite dans la vidéo 1er avril avec Sifano. J'avais dit, oui, je comprends que tu parles pas, t'es un peu intimidé, t'es avec des plus grands youtubeurs, t'as 1 million d'abonnés, et nous on en a quoi, 300? C'est pas comparable. Ouais, clairement là, faut que je m'achète une vie, bon. What? Ok. Ouais, mais ça coûte jamais cher, sur cette map, moi, perso. Parce que ça coûte une vie. Ah, ça commence déjà, putain, ça commence direct, ça part au four direct, quoi. Ouais, alors. Qui sont les concurrents? Bob66, Anton Xbou, CLB35, Fils de Moirier. Oh, putain de merde, on a perdu. Frosty29, Spiritus Wolfie, Supervise, et Dr. Rubens. Ok, allez. Déjà je sais pas où. Déjà je vais augmenter mon option graphique parce que je ne vois que dalle. Ah, petite promotion, je suis modérateur sur bricabrac.com, le forum des brickfilmers francophones, donc l'animation en Lego en stop motion. Venez sur ce site et vous pourrez insulter gratuitement tout le monde, comme ça j'aurai la joie de vous bannir du site. Non, je déconne, ne faites pas ça. Allez, enfin, ça part au feu direct. Son cœur. Alors, il y a un Deacoot qui se prépare là. Ouais. Ouais, c'est plus qu'un bug à faire pour. Doucement, mais sûrement. Et je pense que Fils de Mario va être plutôt favorable à l'élaboration de ce Deacoot. Il va le préparer et je vais le chuper sous son nez. Ah, c'est LB35. CLB qui saute, CLB qui tombe, CLB. Oh, cette map est géniale. Cette map est géniale parce que la piscine est super basse. Donc, du coup, on peut prévoir son coup à l'avance comme ça. Hop. Hop, 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 et hop, voilà comme ça. Tu vois, on peut. Alors, je vais m'éviter le dé à coude parce que je sens assez mal. Bah... Moi, je vais le tenter parce que je sens encore mieux quand la piscine est éloignée. Faut faire gaffe à la prise de vitesse par contre, parce qu'au bout d'un moment, on va quand même super vite. Ah, connard. C'est amical. Hein. Y aura-t-il une rancœur qui va s'installer entre CLP et Fils de Mario? Alors, je vais essayer de le trouver sur YouTube là maintenant. Vous me prévenez si c'est mon tour, hein. Bah, c'est ton tour! Non, je raconte. Non, tu me fais peur. Reu! Waouh! Incroyable! Oh, non, ah, dommage! Oui. Non! Je sais pas depuis quand il filme Skype, mais en tout cas, c'est pas bon signe. Quoique, ceci dit, j'ai un certain nombre de fichiers en Java. Final. Et un fichier Skype. C'est le B, je crois bien que c'est toi, dépêche-toi. Ouais. Fais-nous rêver, gros! Oh putain! Faut que je fasse gaffe là, j'ai un. Oh putain, faut que. Arrête, t'as eu chaud là. Alors. On dirait que Fizz veut la victoire. Oui, allez, CLP! T'es un bon, un bon joueur! Allez, parce que je peux pas tenter des dés à coudre là, je vois pas bien. Je confonds les laines vertes et les dés à coudre. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais voir si j'ai des dés à coudre tentables ou non. Ok, entre 3 laines vertes et une grise là. Je le vois. Allez, Tank Life. Pas de regret. Putain! Oh, dommage. J'étais presque! Ouais, je t'ai vu, dommage. Franchement, dommage. Voilà, quand même, t'es arrivé deuxième, c'est bien. La ça, magnifique c'est bien. Mort de CLB35, voyez-vous. Ah bah c'est voilà, magnifique. C'est la félicitation. Putain, j'ai envie de filmer la prochaine. Donc moi j'ai. Ah, Spiritus, donc ça va, Boto, tranquille et tout. Ouais. Alors. Alliance contre CLB. Alliance contre CLB. Alliance. Chut, faut pas dire. Moi je vais record la prochaine partie. Je viens d'envoyer un petit smiley, un petit smiley chat à Mario. Bon. Bon, j'ai plus qu'une vie moi personnellement, donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, un petit peu de déacoute comme ça change. Vous me direz ce que vous en pensez. L'IP du serveur n'est probablement pas dans la description par flemme, donc je vais vous le donner maintenant. Sinon, vous allez voir la chaîne de Fanta et Bob, c'est tout aussi pratique. Voilà. Alors, donc, play.fantabobworld.com. On peut s'y retrouver si vous voulez, en demande d'amis, etc. Faites comme vous voulez. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis logging in. C'était CLB. Ciao, les gens.